Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, c'est lundi, comme tous les lundis, on regarde les events qui nous attendent sur le calendrier et on le voit, c'est bien maigre. On n'a toujours pas le déclenchement sur mon serveur, j'espère que vous l'avez sur le vôtre, du nouveau KVK ou d'un KVK, le nouveau KVK. On va en reparler tout de suite dans le début de cette vidéo. En revanche, on voit ce qui arrive, c'est la crise de Cerroli. Ça faisait longtemps, rappelez-vous, la crise de Cerroli, on les a enchaînés. On pensait que ça allait être un event récurrent qu'on allait avoir toutes les semaines systématiquement. Et ils ont compris que ça nous donnait un petit peu trop de récompenses. Et donc, ils ont arrêté de le donner aussi régulièrement. C'est dommage parce que c'est vraiment de la balle, la crise de Cerroli, en termes d'équipement. Surtout maintenant qu'ils l'ont amélioré et qu'on n'a plus à faire 1000 fois les boss pour tout avoir. Donc c'est dommage qu'on n'en ait pas davantage, mais c'est la vie maintenant, hein. Lilith, hein, ils ont 40 millions de dollars de bénéfices, de chiffre d'affaires plutôt par mois, et maintenant ils doivent être un petit peu plus, ça leur suffit pas. D'ailleurs, en parlant de chiffre d'affaires, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont modifié leur bannière de pub sur Facebook. On est passé de 6 millions de joueurs actifs revendiqués à 4 millions de joueurs actifs revendiqués. Alors, je pense pas qu'il y ait eu une perte de 2 millions. On a lu qu'ils avaient banni. Alors, est-ce que c'est encore d'ailleurs d'actualité? Si vous l'avez pas vu, tout le monde a petit logo Rock maintenant à présent. Mais est-ce que c'est encore d'actualité le fait qu'ils annoncent. Voilà, on voit qu'ils ont banni, mais enfin, c'est pas banni, sanctionné 1,13 million de personnages. Mais je pense pas que ça soit lié à cette chute qu'on ait eu de 6 millions à 4 millions sur leur bannière. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette modification. C'est peut-être encore une fois une erreur de notre stagiaire de troisième Kevin, mais en tout cas ça m'a surpris quand j'ai vu les pubs cette semaine où on avait 2 millions, c'est énorme, hein, ça représente 30% en moins, donc je ne sais pas pourquoi ils ont usé peut-être mytho la première fois, hein, 6 millions, ils se sont dit ouais ça va se voir, on va descendre à 4 millions, mais en tout cas c'est un nombre que j'ai noté. Si on retourne au niveau des events, donc rien d'autre, on parle aussi de la ligue a eu lieu avec une énorme surprise. Ce week-end, hein, vraiment, c'était assez énorme à voir. Moi, j'ai suivi tous les matchs, notamment les matchs les plus stratégiques. Malheureusement, alors malheureusement, 50% d'entre vous ont été chanceux et l'autre moitié moins chanceux, puisque si on considère 50-50 Horus et Anubis, nos pronostics côté Anubis ont été très bons, puisque je vous avais dit de tout miser sur les 593 ici corps et ils ont gagné et ils étaient en cote défavorable très largement. Donc tous ceux qui ont suivi ce pari ont fait un x3 ou un x4, donc vous vous êtes blindés. Si côté Anubis vous m'avez suivi en misant tout à chaque fois là où je vous l'ai dit sur les deux tours, vous pouvez déjà vider le store, hein. L'histoire elle est pliée et c'est fini pour vous. Vous êtes détente, on va continuer de faire des pronostics bien évidemment dans la semaine. Je vais vous les faire plus tard, certains d'entre vous m'ont demandé de les faire un petit peu plus tard dans la semaine pour que les cotes soient un peu plus fixées. C'est ce qu'on va faire. Je vous les ferai plus tardivement sur la deuxième partie de la semaine. On aura comme ça des cotes plus affinées. Ça évitera d'avoir des cotes qui se retournent comme on l'a eu, hein, cette semaine. Les cotes se sont un petit peu amoindries malheureusement. Mais en tout cas, on a côté Horus eu moins de chance, hein. On y retourne et on va aller voir. Côté Horus, malheureusement. Alors, côté œil pour les talents, hein, moi je suis toujours sur les HKL. Côté Horus, malheureusement, comme je vous le disais, si on regarde, on a perdu que 3 matchs. Mais dans les 3 matchs perdus, il y a nos deux énormes. Énorme pari. Malheureusement, les MCO se sont fait dominer toute la rencontre par les 495K. Donc là, j'ai une grosse perte. Évidemment, hein, je suis même pas à l'équilibre cette semaine. Malheureusement, encore une fois, les OV, la méga surprise. Les OV ont perdu face au SFS. Alors, est-ce que c'était anticipable cette perte après y avoir pensé? Oui, c'était possible de se dire les SFS vont peut-être gagner. On l'a vu, c'est des gros techniciens. Ils ont énormément utilisé le système qui permet de faire rentrer les remplaçants sur leur match précédent lorsqu'ils avaient largement gagné. On voit donc une alliance qui optimise très largement les récompenses et les gains pour que tous leurs joueurs aient des commandants du plus haut niveau possible. Donc, ils ont battu les OV, ils ont dominé tout le match. À aucun moment, les OV ont été en position de gagner, vraiment très bien géré par les SFS. Vraiment impressionnant cette team. Est-ce que c'est les futurs gagnants de la Ligue saison 3? Moi, je mise toujours pour le moment sur la HKL. Mais lorsqu'on aura un match, s'il arrive SFS-HKL, ça va être tendu de donner des pronos, mais on en reparlera. Et les pétoles qui ont perdu face aux 411S, c'était un pari risqué, là, deux grosses équipes. J'ai cru
cru au pétrole, mais les 400S ont été très solides et ils ont gagné ce match. Pour tous les autres, on a gagné. Là où on aurait pu forcer le pari, c'est la cote. Elle s'est inversée aussi. Enfin, elle s'est inversée. Elle s'est creusée dans la semaine entre les MTO et les SNO. On aurait pu forcer sur les SNO puisque SNO, ça nous aurait permis de multiplier par 2,3 nos gains et on n'aurait pas été négatif. Mais on verra pour les paris. On en rediscutera et du côté Anubis et du côté Horus dans la vidéo dédiée cette semaine. Je vous parlais du nouveau KVK, les amis, et regardez ce screen. Nous sommes arrivés à 19 royaumes inscrits pour le KVK. Alors, je suis sur un screen qui vient du serveur 1002. Là, donc, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a une quarantaine de royaumes qui sont inscrits dans ce nouveau système de KVK. Donc, 19 royaumes inscrits au total. Et regardez le cooldown. Il reste un peu plus de 2 jours, mais il a commencé depuis, donc pratiquement 3 jours. Il a commencé hier, donc au total de 4 jours. Lilith prend 3 jours pour les inscriptions, 4 jours pour le matchmaking. Franchement, ils abusent. J'ai clairement l'impression que là, ils cherchent à gratter du temps comme des petits rats. À défaut de nous donner des events, ils nous font patienter avec un timer. Les mecs, c'est des génies. Au lieu de faire des events, on met des screens avec des timers et comme ça, les gens se disent, ouais, on a des super events qui arrivent et ça peut être vide à côté. C'est un peu dommage. J'aimerais bien que les events Halloween, par exemple, se déclenchent. Hein. On est le 19 octobre. L'année dernière, ils sont arrivés la semaine juste avant Halloween, donc ils devraient arriver là. Ça serait bien qu'ils le déclenchent. Ça éviterait qu'on enfile des perles et qu'on tape des barbares et qu'on farme. Hein. Ça permettrait de nous occuper un petit peu en attendant le nouveau système de KVK. Déjà qu'il se déclenche sur mon royaume, ça sera déjà bien. En parlant de taper des barbares, regardez ce screen, un screen qui nous vient et qui m'a fait me poser des questions, qui nous vient justement du nouveau KVK. On voit, il y a des barbares level 55, 53. Donc est-ce que ça va jusqu'au 60 ou est-ce que 55 est le plus haut? On pourrait penser que 55 c'est le plus haut, mais normalement Lilith nous met des chiffres ronds, on pourrait se dire, mais ils se sont bien arrêtés sur les royaumes de base au niveau 25. Donc c'est possible que 55 soit le nouveau plus haut des barbares sur le nouveau système de KVK, ce qui serait quand même très très bien parce que regardez, c'est des nouvelles récompenses, des récompenses plus élevées. Ça va changer les scores limites, hein, les top scores des events comme course contre le temps par exemple où on doit enchaîner des barbares et tout un tas d'events pendant le MGE aussi. Il va falloir revoir les events sur la partie où on tue les barbares, puisque ça va apporter plus de points, etc., etc. Donc il va y avoir un nouveau système et une nouvelle optimisation à mettre en place quand on se trouvera sur ce nouveau système de KVK. Donc en voyant ce screen, je me suis dit, tiens, on peut aller visiter la nouvelle map du KVK et j'ai voulu aller la visiter. Alors pour aller la visiter, j'ai essayé de tout simplement, donc au départ, vous voyez, hop, j'ai dézoomé, j'ai été comme tout un chacun sur le KVK numéro 501. Alors vous voyez, il y a 500 et 502. C'est pour ça que je vous disais, j'espère que les 19 royaumes sont bien inscrits sur la même map. Certains disent, mais non, parce que 19 royaumes, tu rêves, ça va trop laguer. Bon, vous avez peut-être raison, hein, mais de l'autre côté, quand il y avait 6 inscrits, tout le monde disait, oui, ça sera qu'à 6 royaumes. Bon, on voit qu'il y en a déjà 19. Donc, est-ce qu'ils vont être répartis sur le 501 et le 502? Est-ce que tout va être sur le 501 et une autre partie sur le 502? Puisque, comme je vous le dis, il me semble, hein, confirmez-moi ça, qu'il y a une quarantaine de royaumes qui ont déclenché le nouveau système de KVK. Confirmez-le-moi si vous avez l'info, bien évidemment, si vous êtes entre le 1020 et le 1040, par exemple. Et si on regarde, si on va sur, donc, on veut y aller sur ce royaume-là, le 501, on clique. Ce royaume est protégé, visionnage d'informations impossible. Pareil sur le 502. Donc, je me suis dit, ah, putain, d'où il sort le screen du mec là, déjà il n'y a pas de brume, où sort, d'où vient ce screen. Donc après je me suis dit, bon, il a dû faire le malin, il a dû faire ça, il a dû aller là, il a tapé 501, après vous mettez 1, hop là, pareil, c'est pas des boulets. Et hier en fait j'ai essayé une autre méthode puisque je me suis dit aussi, tiens, il faut pas oublier que les KVK, en fait, ils sont au milieu de nos continents. Hein. Si, alors moi je me trouve sur la gauche, si je vais au milieu, vous voyez, je tombe sur le KVK 32. Donc ça, c'est quand même une vraie info qu'avec 432 au milieu. Donc il suffit de trouver où est les royaumes, où sont les royaumes qui sont au milieu. Il s'avère que je les ai trouvés hier, mais suite au reset de cette nuit, cela ne fonctionne plus. Il s'avère qu'ils étaient
Pardon, parce que maintenant, ça, si vous savez y retourner, dites-le-moi. J'ai refait tous les royaumes, je ne les ai pas retrouvés. Ils étaient sur le 2001, 2008 et 2009-2016. Donc il vous suffisait d'aller sur ce royaume-là. On allait au centre tranquillement. Alors hop là, là vous voyez, il y a même de la brume, hein, tellement c'est ouf. On allait, tellement c'est ouf, tellement c'est pas normal. On allait au centre là et on tombait dessus. Donc vous voyez, là, si j'y vais, hop là, il me le met, c'est le 126, ce n'est plus le 501. Suite au reset de cette nuit, ils nous ont remis un KVK normal et le 126 c'est un KVK normal. Et pourquoi on voit c'est que ça a été fait à l'arrache? Parce que 1, il y a de la brume et déjà c'est pas normal. Si vous êtes sur tous les autres, il n'y a pas de brume. Et pourquoi il y a de la brume? Parce que ce KVK il n'existe pas en fait, le 126. Si vous regardez les numéros de KVK, ils s'arrêtent à 123, 124, 125. Après c'est fini. Le 126 n'est même pas listé. Jusqu'à hier soir, comme je vous le dis, c'était le 501. Et donc en allant voir la carte directement, même avec la brume, qu'est-ce que ça m'a permis de voir? Encore une fois, si vous savez retourner sur cette ancienne map, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je ne sais pas y aller à présent sur le 501. Hop, je vous remets la minimap. Donc, en regardant la minimap et en vous montrant avec le curseur, en allant sur cette map-là, qu'est-ce que j'ai pu voir? J'ai pu deviner, il semblerait que sur cette zone-là que je vous montre, donc toutes ces zones-là en contact, il y aurait deux portes d'accès. Sur les zones centrales là, j'ai compté trois portes. Alors, il y en a peut-être quatre, j'étais pas sûr, mais il semblerait qu'il y ait trois portes là, sur cette zone-là, deux portes là, sur cette zone-là, sur les hôtels qui, évidemment, sur les toutes petites zones-là, pas de portes, sur les hôtels qui sont là, c'est des hôtels, hein, il y a deux portes, et au niveau des terres du roi, il y a aussi deux portes. C'est ce que j'ai compté. Alors, il y a de la brume, hein, donc c'est vraiment, il faut deviner un petit peu là où il y a des passages, mais c'est ce que j'ai deviné sur ces zones-là. Et on comprend pourquoi les coalitions vont permettre de passer les portes, hein, parce que vous imaginez donc on est 19 royaumes sur cette map-là, même si on n'est que 8 royaumes, hein, on est 19 royaumes sur cette map-là, et imaginez on est 2 royaumes par exemple ici, vous imaginez si on doit switch les portes, s'il n'y a que 3 portes, qu'on se retrouve avec les 3 royaumes, ils ont chacun 3 grosses alliances, donc 9 grosses alliances installées ici, qu'on se retrouve à switcher tous les 2 minutes les portes pour pouvoir passer, ça va être un gros bordel, surtout en Terre du Roi. Donc il a été plus simple de faire une coalition. Et puis vous imaginez les rewards, comment ça aurait été la guerre, les rewards de prise, les bonus de bâtiment, ça aurait été vraiment un gros bordel. Et il y aurait eu des guerres directement en interne sur les royaumes. Là, au moins, tout le monde peut passer, tout le monde a les bonus. C'est vraiment le gros point positif. Et ils s'en foutent, ils pourraient même mettre à la rigueur qu'une porte et tout le monde serait détente. Là, l'idéal, j'espère que les coalitions ne seront pas limitées en nombre. L'idéal est de mettre tout le monde dans la même coalition et vous prenez tous les bâtiments, toutes les portes. Et comme ça, tout le monde bénéficie non seulement des bonus de bâtiments, mais aussi des bonus de première prise. Donc tout le monde va se blinder de gemmes. Et pourquoi on aime se blinder de gemmes? Parce que vous le savez, les gemmes, on ne crache pas dessus. Les gemmes, c'est de la balle. Plus on peut en avoir, plus on en prend. Donc là, ça serait vraiment puissant. Une seule coalition qui a vraiment tout et on est détente. Les amis, passons à présent au KVK numéro 94. On va continuer de visiter. Donc c'est un KVK à l'ancienne. On continue nos petites chroniques avec des KVK intéressants quand même, comme on l'a vu, hein, avec des nouveaux royaumes très puissants, comme on l'a découvert sur le KVK 92 par exemple. Ce KVK-là, un KVK à l'ancienne, celui qu'il semblerait avoir comme petit nom Chevaleux de Troie avec ce magnifique E. Encore une fois, Kevin, si tu nous écoutes, on a une pensée pour toi et ton stage de troisième. Vous le voyez, ces royaumes-là, c'est la saison 2, le matchmaking est fait, 1730-31, ils ont déjà joué ensemble, 40-43, ils ont déjà joué ensemble, 56-57, ils ont déjà joué ensemble, 69-75, ils n'ont jamais joué avec aucun des deux, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc on se retrouve avec des petits groupes, pour reprendre un mot à la mode, des petits clusters de 2, 2 à 2, donc c'est plus facile de faire les alliances. Et est-ce qu'on a autre chose que deux groupes? Ça serait possible, on va aller voir tout de suite ce qu'il se passe sur ce royaume-là, ce KVK-là qui n'a pas encore les portes de niveau 5 ouvertes. Il a les portes de niveau 4 qui ont bien évidemment ouvert, mais les 5, comme vous le voyez, elles n'ont pas encore ouvert. Et si je ne dis pas de bêtises, elles n'ont pas encore de timer. Ça va arriver dans 48 heures si je ne dis pas de bêtises. Donc on commence en haut à droite. Le cyan s'est plié pour lui. Sa map, elle est finie. Le rose, là, il est arrivé. Il a bloqué tout le monde. Donc déjà, on se dit, le matchmaking, il est fait.
Mais qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Lilith, avec ce matchmaking? J'espère qu'ils vont pas nous faire la même chose avec mon KvK déjà et le futur nouveau KvK que je dois avoir prochainement, qui se déclenchera sous 15 jours après la mise à jour. Si je cite nos amis de chez Lilith, regardez bien, le rose, il a tout pris, hein, et il a mis 1000 forteresses, hein. Là, j'ai rarement vu un royaume avec autant de forteresses posées partout dans ce terrain. Alors, il y en a 3 là, il y en a 2 là, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a 20 forteresses posées au calme dans la vanne. Je n'ai jamais vu autant de forteresses sur cette zone-là pour un royaume. Donc déjà, les mecs, ils sont surpeuplés. Le rose, je ne sais pas le combien c'est. Il semblerait KN43. Il n'y a pas besoin d'informat dessus. C'est 1743. Normalement, sauf si les mecs, ils se sont ratés. J'en prends une au hasard. Elle est déjà à 7 millions au calme. On regarde 1743. Donc 1743, un royaume énorme. Il a l'air très puissant. Donc déjà, il est ni avec le cyan, ni avec le vert. Ça se trouve, il est tout seul. Le vert sort au sud, il a des alliés avec le rouge. Et avec le rouge, ils ont bloqué le orange. Un partage discutable encore une fois. Mais ça les regarde. Le rouge qui se fait bloquer de l'autre côté. Il se fait bloquer ou pas, regardez. C'est étonnant. Il se fait bloquer, mais il est sorti. Donc est-ce qu'il est bloqué ou est-ce qu'ils ont un partage bien particulier, bien à eux? Ils ont un partage bien à eux, les mecs, hein. Et on partage le terrain, écoute, on te laisse juste toucher la porte et c'est tout. Donc le bleu serait avec le rouge, c'est peut-être une alliance qui s'est retournée, et avec le vert pour le moment, le orange semble tout seul ou avec le rose, donc pas d'autre alliance, le jaune lui est bloqué, est-ce qu'il sort au nord, le jaune est avec le violet, donc on pourrait se dire, et le rose sort pas du tout ici, donc il doit avoir une alliance, donc on pourrait se dire que le rose, le violet et le jaune sont ensemble et vont devoir se friter contre l'autre alliance, et je dirais malheureusement pour lui, hein, le orange, il est un peu tout seul, il n'a pas d'amis. Pour lui, la partie, elle est finie, sauf si le rose vient le sauver. Donc, il va être intéressant de suivre l'ouverture de ces portes-là, où on va pouvoir voir si le rose est assez puissant pour dégommer le vert et le rouge. Donc, attendez, on aurait même le cyan, le vert, le rouge, le bleu, et c'est tout qui serait ensemble. Donc, c'est 4 contre 3 ou contre 3,5 si on considère celui du sud. Donc, un KvK très intéressant ici où il faut suivre vraiment le rose. Il est étonnant vraiment de voir. Alors là, peut-être que le mauve est tout aussi puissant. Le violet, pas le mauve. Peut-être que le violet est tout aussi puissant. Mais en tout cas, il a laissé un petit peu de terrain au jaune alors que le rose, il a régné sans partage. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'un serveur aussi puissant, en général, ils prennent les deux côtés, on l'a vu, hein, et ils laissent rien à personne. Là, le rose a quand même pris son côté à droite, mais le côté à gauche, il n'a pas du tout été le chercher. Donc, c'est très fair, vraiment, de sa part. C'est vraiment très intelligent. Ça évite d'avoir des retournements d'alliance et que ses alliés se retournent contre lui. S'ils sont bien des alliés, hein, ils ne sont pas en train de se friter, il n'y a pas de problème, ça ne brûle pas, ça ne brûle pas. Non, il n'y a aucun problème là. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir à l'ouverture, puisque en Dimboko, il ne va rien se passer, mais c'est vraiment en Okuri qu'il va falloir suivre. Le KvK va clairement se jouer en Okuri et en Kalsha. On va voir si le bleu foncé, qui a l'air le bleu tout court, hein, qui a l'air bien puissant, arrive à battre de son côté le violet. Et en face, si le rose arrive à écraser, alors ils ont déjà réussi à repousser le vert, mais s'ils arrivent à repousser le vert plus le rouge. Le rose a quand même l'air très puissant et à mon avis, si je devais faire un pronostic sur ce KvK-là, je dirais que le rose va malheureusement rouler sur tout le monde en Okuri. Si vous êtes sur l'un de ces royaumes sur ce KvK, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qu'il se passe et qui domine et quelles sont les alliances, si c'est bien celles qu'on voit, à savoir le cyan, le vert, le rouge et le bleu face au jaune, au violet, au rose et au orange peut-être. L'orange, on ne sait pas trop, il est totalement enfermé. Mais vraiment, le rose, là, le 1743, m'impressionne. Je veux bien des infos sur celui-là. Les mecs ont l'air vraiment d'être un jeune royaume, mais un jeune royaume qui ne plaisante pas du tout. Il faudra aussi suivre ces futurs royaumes dans les futures saisons des Ligues Osiris. Ça va être intéressant de parier sur eux. Ils seront forcément donc du côté Anubis. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça me fait déjà vraiment très plaisir les amis. Et surtout, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et je vous en remercie vraiment énormément les amis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos.
Je vous souhaite un bon jeu à tous, une bonne semaine à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock.